Votre monastère est par excellence un lieu de silence et de retraite. Mais on entend parler comme vous. Il y a 4 mois que je suis à l'archevêché. Et en ces 4 mois, grâce à Port-Royal, je puis dire que j'ai vieilli de 25 ans. Le pape condamne 5 propositions hérétiques dans le livre de Jansénus. Moi, qui suis votre supérieur légitime, je vous assure qu'elles y sont. Cependant, vous n'en croyez rien. Vous préférez les lumières de vos messieurs et vous y brûlez comme des papillons sur chandelle. Ce que vous croyez, ce sont eux qui vous disent que les propositions ne sont pas dans le livre de Jansénus, que le pape a condamné sans savoir ce qu'il faisait, qu'il s'est laissé acheter par les jésuites, qu'il a été mené par le bout du nez et que ça lui a coûté bien cher. Voilà les 100 mètres qui vous débitent. Et vous croyez ces gens-là, qui n'ont ni caractère, ni responsabilité dans l'Église, ni autorité sur vous. Vous optez pour leur jugement contre celui du pape et de l'Église tout entière. Et pourquoi cela? Il n'y a pas de raison, sinon qu'il faut jouer au martyr, tant que cela est bon d'être un peu opprimé. Et moi je vous dis que tout cela est pitoyable, que vous êtes de pauvres filles, à l'esprit fond, vain et buté. Vous ne répondez rien. Alors, si jamais homme n'a eu sujet d'avoir le cœur outré de douleur, je puis dire que c'est moi. Vous trouvant toutes dans l'opiniâtreté et la révolte, préférant par orgueil le jugement de vos messieurs à celui de vos supérieurs, et ne voulant point vous ranger à leurs avertissements et à leurs remontrances. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui rebelle et désobéissante à votre Église et à votre archevêque. Et comme tel, incapable de la participation au sacrement, je vous défends de vous en approcher comme en étant jugé indigne, ayant mérité d'être puni et séparé de toutes les choses saintes. Point de directeur, point de confesseur, point d'eucharistie, point de viatique, point d'extrême-onction, point de sépulture en terre sainte. Et j'ajoute en arrêt, interdiction de voir qui que ce soit du dehors jusqu'à maintenant. Écoutez-moi. Il y a le pape, ou plutôt 2 papes, car 2 papes ont parlé. Puis il y a le roi, puis les évêques, puis les facultés, les docteurs, les communautés. Et tout le monde est d'accord, sauf une poignée de filles, dont quelques-unes comme vous sont des petites filles qui prétendent faire la loi aux savants et aux autorités. C'est une révolte absolument intolérable. Mais dans tous les ordres, où irions-nous en Dieu si chacun se mettait à penser personnellement? Il y a un créneau, il y a un canot,
il y a les supérieurs et les inférieurs. Et pourquoi croyez-vous que Dieu ait mis les personnes sur nos têtes, si ce n'est afin qu'on leur obéisse? Nous vivons, Dieu merci, dans un royaume où le subalterne reste toujours à sa place. Pour autant que je n'ai pas, il ne sera pas dit que cet ordre naturel soit renversé. Cela, je n'accepterai jamais. Et pensez qu'on vous demandait si peu. On vous demandait d'être comme les autres. Vous entendez? Simplement comme les autres. Mais vous, vous êtes des saintes. La sainteté et la sainteté. Vous, vous vivez avec les yeux levés ou baissés. Moi, je dois regarder à hauteur d'homme. Je dois manier les hommes, me servir d'eux, me plier à eux. Et tout cela le plus chrétiennement possible. L'art de vivre avec son prochain ne s'apprend pas dans les nuages, ni dans les prières. De là, cette rigueur qui enfle le dédain, nourrit la présomption, entretient un chagrin superbe et un esprit de fastueuse singularité, fait paraître au monde la vertu trop pesante, l'évangile excessif, le christianisme impossible. Le monde est-il ainsi près de trouver le christianisme trop austère? Et vous ajoutez, que deviendrons-nous quand tous se détourneront d'une religion rendue impraticable? Ce mal du monde avec lequel il faut traiter et vivre, et qui quelquefois nous salue au passage. C'est nous qui le prenons sur nous pour que vous demeuriez sans tâche en clôture. Ma sœur, vous souffrirez, vos prières seront vaines. Ne m'y oubliez pas. Les hommes qui nous persécutent doivent être l'objet spécial de notre tendresse et de nos prières. Moi, vous persécutez? Mais je vous conteste qu'il n'y a que moi et une autre personne de la cour qui empêche qu'on vous persécute d'une autre sorte. Et pourquoi me craignez-vous? On s'était ici une habitude du tremblement. Je veux que vous m'aimiez. Vous n'en serez que meilleur de tout ce qui s'est passé. Hélas. Et qui donc sait mieux que vous? On ne trouve la croix qu'au pied de la croix. Et là-dessus, je vous puis bien donner une assurance. Celles d'entre vous qui aiment à souffrir seront satisfaites. Mais attention, si vous croyez qu'il n'y a qu'à souffrir pour être sauvé, tromperiez fort. On a beau sourire, quand on est homme de l'Église, cela ne sert de rien. Combien y a-t-il d'hérétiques qui ont recherché le martyr, que dit-il, qui le convoitait et qui maintenant brûle dans le feu? Le diable, lui aussi, a ses martyrs. Je vois que rien ne me sera épargné. Vous n'avez pas la notion de ce que je vous épargne. Et puis vous, êtes-vous de celles qui épargnez beaucoup aux autres? Et moi, suis-je quelqu'un pour épargner?
toujours traversés, bafoués, calomniés. Vous ne savez pas ce qu'est la vie. Monseigneur, où venait-on? N'est-il permis de le savoir? Aux Annonciades, sur le boulevard. Quelle sera ma condition? Ah, je ne vous le cache pas. Elle sera. Vous serez soufflé, je le crains. Vous ne verrez personne du dedans ni du dehors. Vous ne pourrez correspondre avec personne qu'avec celle qui vient vous voir si toujours professeur Mignac. Cela est venu, mais ils le font. Sommes-nous excommuniés? Excusez-moi d'étourdissement. Je ne sais même plus tout ce que vous avez dit. Vous n'êtes pas excommuniés pour l'heure. Qui dirige les Annonciades? Ah, je ne vous le cache pas. Des Jésuites. Ce sont des Jésuites qui ont fait leur constitution et ils sont presque leurs fondateurs. Et sans doute, il n'est pas prévu combien de temps durera cette réclusion. Tant que vous ne changerez pas. Ni combien de temps je serai privée des sacrements. Tant que vous ne changerez pas. Serais-je enfermée avec d'autres de nos sœurs? Serons-nous deux ou moins par cellule? Vous serez seul. Monseigneur, ne nous mettez pas dans ce vide. Il y a d'entre nous que Dieu quitterait et qui se quitterait d'elle-même. Elle tomberait en poussière. Vous ne savez pas ce que vous tentez. Mais moi, il n'y a pas de tentation. Pour la sœur angélique de Saint-Jean. Ne lui demandez pas plus que ses forces ne peuvent porter. Obéissez. Et on ne vous demandera rien. Mais rappelez-vous ceci, que je vous dis pour la dernière fois. Dans le même temps que vous ôtez de la religion le libre arbitre, vous y insinuez un esprit de liberté. Liberté hors du juif, liberté hors du juif des jésuites, liberté de l'homme dans son examen de la parole de Dieu. Vous haïssez tout ce qui représente l'autorité et surtout l'autorité d'un seul. Liberté, vérité, pureté. Voilà votre cri de guerre. Or, la pitié, c'est moi et ceux que je représente, et c'est vous autres qui tendez à la corrompre. Et quant à la vérité, il n'y en a qu'une, c'est celle qui est donnée par le pape et sur laquelle tous les fidèles sont d'accord. Cette petite sœur Françoise rappelait tantôt que le christianisme était différent. Certes. Et c'est sa gloire. Mais il n'y a pas à être différent à l'intérieur du christianisme. Si on l'est, cela a un nom. Et c'est ce nom-là qu'on jette à celui-ci. Bon, je sais comment vos amis partent et écrivent de moi. Je sais que le public pour un ridicule, hein, et un furieux, et ceci, et cela. Il y a toujours des grenouilles qui coincent dans les marais de Port-Royal. Je ne suis en effet qu'un humble serviteur de Dieu, bien infirme peut-être, bien aimé de lumière propre, bien intime peut-être, mais ce service que je le fais avec ma conscience. Et c'est l'unique vérité que je sers, et c'est pourquoi je suis inébranlable. Et encore ne parlais-je pas du service du roi que je fais même. Tout ce qui cause du trouble dans la religion en cause aussi dans l'État. Ce sont les propres mots que me dit M. le cardinal de Richelieu lorsqu'il fut arrêté M. de Saint-Cyran. Et le roi lui-même me l'a répété bien des fois. C'est pourquoi je suis très fort, servant à la fois la vérité et l'État. Et c'est pourquoi je peux vous assurer que tout rentrera dans l'ordre. Ou par moi, ou par ceux qui viendront après moi. Nous avons commencé, nous achèverons. Ma sœur,
allez partir, je vous bénis. Et je bénis en vous le mouvement par lequel vous me comprendrez. Et